Bonjour, bonjour chez vous, bon matin, bon après-midi. Je vois déjà une personne connectée. Comme je vous dis, là, j'ai mis mes lunettes noires. Je vois aucun commentaire. Ouais, aucun commentaire, c'est fait exprès. Ouais, comme dit mon impacté. Je t'envoie un petit Gucci. Ça, c'est mon impacté qui m'a offert ça à New York. Merci beaucoup. J'ai déjà commencé rapidement par la pub et puis on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai pas assez de temps. Je suis très timée. Là, je m'avais fait une petite livraison quelque part. Après ça, je vais faire un peu de piscine cet après-midi parce qu'ils annoncent une canicule à Montréal. Et puis le soir, tranquillement, je m'en vais travailler la nuit. Donc, j'ai pas assez de temps. Yes Beauty, pour toutes vos coiffures quotidiennes, pour vous rendre belle, pour vous donner du charme. Même si vous êtes occupée, vous mettez votre perruque, vous faites un peu bien, c'est Yes Beauty. Vous voulez acheter des terrains à Abidjan, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Du côté de Bergerville, on a des 500 mètres carrés. C'est des terrains vierges. Si vous voulez construire d'ici un an, ce projet ne vous intéresse pas. C'est un projet où on fait le paiement, c'est-à-dire sur 2 ans. Ben là, on est rendu à un an, justement. Il faut que j'essaie de relancer cette information-là avec le proprio pour voir qu'est-ce que je dis. Parce qu'en juillet, ça fait un an. Donc, ça veut dire que maintenant, si vous vous engagez, pour vous qui êtes là, il vous reste un an. Pour ceux qui viennent, je vais me renseigner. Vous voulez ramener des vivriers ici à Montréal? Profitez pour partager, mes amis. Profitez pour partager. Facebook, où la mémoire est sélective, on va se réveiller. On va remuer le passé parce que c'est ça les réseaux sociaux. Ce qu'on a fini par comprendre aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quand on est dans telle position, on va essayer d'oublier ce qui s'est passé, on va essayer d'embellir les choses. Nous tous, on a l'art de communiquer sans insulter nullement. Mais on va, comme j'ai dit, on va se rafraîchir la mémoire. Vous voulez ramener des vivres ici à Montréal, de la nourriture déjà cuisinée. Vous voulez ramener ça ici pour de la famille, bien évidemment congelée, dans un conteneur frigorifique, Huguette et Monica Z dans le Pérou Market. On peut vous ramener tout ce que vous voulez. Des divers, des vêtements, tout ce que vous voulez. Si vous rejoignez le numéro, qui est mon numéro, le 514, il y a des numéros qui sont là. Appelez aussi ces numéros-là. Parce que parfois, je suis occupée, j'arrive pas à vous retourner systématiquement les messages. L'épargne, toujours pour la cause des enfants. L'épargne, j'en ai ici à Montréal. À Paris, il y a Edith Tiffon qui a aussi l'épargne. Donc, n'hésitez pas à faire parler votre cœur. Le GoFundMe, ça se poursuit. C'est le dernier jour du GoFundMe. Merci beaucoup, les Ivoiriens, les Africains, partout, ici à Montréal. J'ai vu aussi que du côté des États-Unis, j'ai des impactés qui ont réagi. Je vous suis infiniment gré. Ouais. D'ici aujourd'hui ou demain, je crois demain, oui, demain, dernier délai, le corps du frère va sortir de la morgue et puis ce qui va être fait. Soit c'est ici, soit c'est à Abidjan, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, merci d'avoir fait parler votre cœur. Merci. Chaque petit geste a de l'importance. Donc, on apprécie ça. Mes amis, je vous demande de partager. Vous savez que depuis moi, je ne parle pas de choses, je ne me soucie pas de ça. C'est après que mes vidéos montent. Donc, je n'ai pas de problème. Mais partagez. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'abord, avant tout, je suis là toujours pour apporter mon soutien. Je dis qu'un soutien sans faillir. Un soutien indéfectible à mon frère Bob Lee depuis sa position. J'ai été surprise de voir il y a avant-hier Monica Z, Chanel T populaire sur les réseaux sociaux. J'ai dit, aïe, moi j'ai fait une vidéo et puis je suis populaire. Ou Chanel T dit, oui, tata, moi aussi j'ai tapé. Ah, donc vous dormez sur les pas des gens. Je vois dans les directs, selon le poste que Chanel T a fait, selon le poste que Monica Z a fait, j'ai dit, dormez tranquille chez vous. Dormez. On sait que vous êtes friands de choses. Même si le pire arrive là, ce n'est pas nous qui allons venir sur les réseaux sociaux ici pour annoncer. Donc tout ce que nous on peut dire. Force à toi, mon frère. Ce qu'elle dit à la personne qui est Bob Lee, je dis tout ce que tu dois faire, c'est de sécuriser son environnement. Nous, on ne te demande pas quelque chose. Sécurise-le. Il ne faut pas que les gens prennent ses photos pour venir déposer sur les réseaux sociaux ici. C'est tout ce que nous, on te demande. Parce que c'est Dieu qui a le souffle de chacun. C'est Dieu qui décide de quand, de l'heure, de où il veut, et puis il prend quelqu'un. Aujourd'hui, on voit, ça dit que la chronique est défrayée sur les réseaux sociaux.
On voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit les alliances qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Comme je dis, nous, on n'a rien contre le fait que des gens se réconcilient sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose. On a toujours prôné la paix. Mais quand on prend la paix, et puis aujourd'hui, parce qu'on est en paix, on va venir minimiser nos actions passées. On va venir minimiser ce qu'on avait dit ou bien ce qu'on avait fait. Et puis maintenant, on va venir, on va venir enterrer quelqu'un. On va venir trouver les défauts à une seule personne. On va trouver que sur les réseaux sociaux, c'est une seule personne qui était la mauvaise personne. C'est Bob Lee seul qui était le mauvais. Je vais rafraîchir la mémoire. J'ai entendu dire que on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand la dame a perdu son enfant, il s'est attaqué à elle. Quand la dame ne lui a rien fait, il s'était réconcilié à Saint-Phal. S'il vous plaît, à Saint-Phal, ma nièce était là-bas. Quand je parle de Saint-Phal, quand ils sont partis pour la télé-réalité, ma nièce était là-bas. Là-bas, effectivement, ils ont fait la paix. Là-bas, lui et la dame, ils avaient une bonne symbiose. Tout allait si bien. Quand ils sont revenus, eux tous, ils ont pris la résolution sur les réseaux sociaux ici de ne plus faire parler, de ne plus s'attaquer entre eux blogueurs. Dans les vidéos de Bob Lee déjà, lui-même, il en parlait. On n'attaque plus les gens. Mais quand j'ai dit à Chanel, mais si vous ne vous attaquez plus dans les vidéos, si on n'insulte plus, le blog ivoirien va donner quoi? Ça ne va plus donner quelque chose partout. C'est ce que j'avais dit. Et un matin, il a commencé à attaquer Dame Caviar. Moi, quand des choses sont là, c'est ce que je dis. Et quand il a commencé à faire, avant tout, je voudrais d'abord remercier une petite fille, Sylvia. Je dis merci à cette petite-là. Tu es vraiment une lionne, ma petite. Hein? Tu es une lionne. Quand la vérité, il a dit, il n'y a pas de saint sur les réseaux sociaux ici. Quand on va arriver au paradis, tous les blogueurs ivoiriens, quand on va arriver au paradis, le gros portail du paradis, là, les gens ordinaires, là, eux, ils vont passer d'abord. Nous, les blogueurs, là. Dieu va dire, attendez d'abord, parmi vous là, je vais te lier encore, qui peut rentrer? Donc le portail de paradis là, nous tous les blogueurs, on va fermer ça sur nous. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est saint sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des bonnes œuvres. Même s'il a fait des salis, si aujourd'hui il est devenu un saint, il est baptisé, ou bien le dernier chrétien, il est devenu quoi? Ça veut dire qu'il a déjà fait le mauvais. Donc ma petite, ta vidéo d'hier, moi j'étais sur le direct, j'ai apprécié. Partout où on met Bob Lee en haut, partout où Bob Lee, on le soutient dans la maladie, je suis là, je soutiens toutes les personnes qui soutiennent Bob Lee dans la maladie. Parce que sur les réseaux sociaux aussi, il n'y a pas quelqu'un qui est sain. Bob Lee n'a pas été le premier à insulter un mort ici sur les réseaux sociaux. Bob Lee n'a pas été le premier à déterrer des parents. Bob Lee n'a pas été le premier à écarter l'intimité des petites filles. Moi, ça va, on dit on va mettre bois là-bas. On dit on va mettre les bouteilles là-bas. Tout a été dit sur les réseaux sociaux. Sur ces mêmes réseaux sociaux-là, on a dit ici que la tombe de ta maman, je vais casser la tombe de ta maman. Et puis la tombe de ta maman là, je vais verser l'eau dedans. Je vais prendre ça, je vais mettre ça dans la tombe de ta maman. Tout a été dit sur les réseaux sociaux. On s'est pardonné aujourd'hui. Pas le direct. Partagez le direct, mes personnes. Ils sont quittés là-bas. Ils sont venus avec l'esprit de réconciliation. L'esprit de réconciliation, nous, on regardait de loin. J'ai dit à ma nièce, on est assis par terre. On va voir où on s'en va avec ça. Et Bob Lee a commencé à attaquer Dame Caviar. Quand il a commencé à attaquer, il a commencé à faire ses trucs sur elle, tout et tout. Un matin, oui, Leslie est sortie sur Bob Lee pour venir prendre la part de Dame Caviar. C'est là moi-même je suis sortie. Je fais une vidéo. Je dis, quand on insulte la petite fille là, ton enfant là, quand on insulte ton enfant, nous ça nous fait mal. Si toi ça ne te fait pas mal, nous autres ça nous fait mal. De quel droit tu te lèves pour venir défendre Dame Caviar? Dame Caviar a son garçon qui est sur les réseaux sociaux. Coach Emon a Apoutou, qui est un garçon musclé, garçon de chez garçon, 1m95, qui est sur les réseaux sociaux, qui a des testicules qui balancent devant lui comme Bob Lee. Il peut sortir pour prendre la part de sa maman. Mais il est là et puis elle insulte, c'est-à-dire il insulte sa maman. Il n'a jamais fait ne serait-ce qu'un petit poste pour soutenir sa maman. Comment toi, une jeune fille comme ça, tu viens exposer ta fille toujours? On insulte ta fille toujours. Quand on insulte ta fille, nous, ça nous fait mal. Donc, le fait que tu sois sorti sur Bob Lee, je n'apprécie pas parce que c'est toi qui allais chercher. J'ai fait la vidéo ici. Leslie a vu ma vidéo. Elle n'a rien vu de ma vidéo parce que ce que j'ai dit, c'est ce qui était ça. C'est dans ce clash-là, quand ils sont sortis de leur télé-réalité, où Leslie maintenant faisait le clash avec Bob Lee, c'est là que madame est venue s'introduire dedans, où elle a insulté la mère de Bob Lee.
Sinon, anciens injures, quand ils sont partis avant télé-réalité, c'était déjà fini. La preuve, quand ils se plaignaient du fait que, mais quand on est quitté de télé-réalité, qu'est-ce que je lui ai fait? Il n'a jamais dit ça dans ses vidéos. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle vienne insulter ma mère? Donc, quand ils sont revenus de télé-réalité, Bob Lee n'a jamais insulté la dame qui a perdu son enfant. Bob Lee ne lui a jamais rien dit. C'est elle qui est venue s'introduire dans le clash où elle n'avait rien à faire dedans. Leslie même n'avait rien à faire, comme j'ai dit. C'est de là que tout est parti. Mais j'ai dit, oh, tu as insulté ma mère. Tu as insulté mon enfant. Mais ton enfant, ça dit que, ça dit mes parents qui sont vivants. Tu les insultes sur les réseaux sociaux. Tu me dis tout ce que tu veux. Mais ton enfant qui est dans ta tombe, je m'en vais le déterrer. Grungyo Sake. Tu insultes ma mère. Ça dit mon père qui vit. Tu insultes mon père. Mais toi, ton père qui est mort là, je vais aller le déterrer. Je vais le déchiqueter sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça qui est ça. À la guerre comme à la guerre. Et quand elle perd son garçon, Bob Lee ne sort pas tout de suite sur elle. Bob Lee sort le... Oui, parce que quoi qu'on dise, j'ai dit que la mémoire sur Facebook, elle est sélective. La mémoire sur Facebook, hein, on s'en va trier en temps et lieu ce qui nous arrange et puis on met ça de notre côté. C'est pas bien, vous comprenez? Donc c'est comme ça que le soir où elle perd son garçon, toute la toile est en émoi. On était choqués. Mon Dieu, ce grand garçon, qu'est-ce qui a pu arriver? Tant. C'est comme ça. J'ai dit qu'elle sécurisait le direct, mes personnes. C'est la vérité, vous voulez? Non, on va dire la vérité. C'est comme ça que le même soir, il sort pour faire une vidéo. Il ne sort pas, oui, mais il la met en titre. Il ne sort pas pour faire une vidéo sur elle. C'est là, les abonnés disent, ah, mais la dame a perdu son enfant, tu ne lui dis pas Yako. La dame a perdu tout le monde. C'est là, il a dit, non, le décès de l'enfant de la dame ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Allez écouter ses premières vidéos. Il n'a jamais accusé que c'est elle qui a tué son enfant la première fois. Il a tout simplement dit qu'il s'en fout de ça. Ce n'est pas son problème. C'est pas son problème parce qu'il y a un ramba, elle insultait sa mère quand ils sont revenus de Saint-Phal. Voilà ce qui a mis le feu aux poudres. Voilà où tout est parti. Vous comprenez? Voilà où ça a commencé. Madame est sortie. Toi qui es affligé par le deuil de ton garçon. Oui, toi, Bob, là, c'est là que tout est parti. Mais j'ai dit, oh, la maman Tina est là. Grande sœur Tina est là. Hein? Parce que j'ai vu à quel moment on fait son deuil. Ah, on donne le temps à quelqu'un de faire son deuil. Quand grande sœur Tina a perdu son garçon nuitamment dans un accident de cycle, j'ai dit que mes personnes, vous me sécurisez ce direct-là. Mais pourquoi vous mettez l'écran de moi? C'est la vérité qui est là. Jusque-là, j'ai insulté quelqu'un. C'est la vérité. C'est la genèse de où c'est quitté et puis ça a donné. C'est ça qui est là. Donc, mes personnes, vous allez me sécuriser ce direct. Vous allez me sécuriser jusqu'à la fin. C'est ça qui est là. Donc, j'entends, oui, à quel moment on fait le deuil. Mais le deuil, on le fait dans l'intimité familiale. Le deuil, même si tu es un personnage public, tu as perdu quelqu'un, tu viens, tu fais l'annonce. À partir de là, tu rentres dans ta famille, tu fais ton deuil. Donc, on peut laisser quelqu'un faire le deuil. Quand grand-sœur Tina a perdu son garçon, ça dit brutalement, mais tu as été la première à faire une sale vidéo. C'est pour grande sœur Tina, tu avais mis le kaolet sur toi. Quand tu avais mis le kaolet sur tout ton corps là-haut, c'était un membre de ta famille qui était décédé que tu étais venu pleurer sur les réseaux sociaux. C'était pas un membre de ta famille, c'est ta camarade femme qui avait poussé de ses entrailles, qui avait fait sortir ça de ses entrailles, qui avait perdu aussi. Tu n'étais pas venu pour la consoler, tu étais venu pour lui dire très bien fait. Tu étais venu pour la clasher. Donc c'était toi. Donc, ça dit que, si on veut voir, c'est le schéma qui se poursuit. Ce que tu avais fait à Tina, c'est le réveil qu'il t'avait donné. La preuve, quand tu as perdu ton garçon, Tina est sortie pour dire, tu vas comprendre la douleur. Les Ivoiriens ont dit à Tina, non, tu ne peux pas faire ça, elle est en deuil de tout. Mais comme Tina, c'est une dame qui aime parler, mais elle a un bon cœur, elle est venue t'excuser. Tu es venue maudire l'enfant d'Otrio. Toi-même, tu t'es excusé auprès de Tina. Tu as pris un jour de ton temps. Tu as pris un jour devant tes followers pour leur dire, oui, c'est vrai, dans ce combat-là, je souffre de la mort de mon garçon. Moi, je ne minimise pas ta douleur, mais c'est juste que je me départis de ta douleur. Je me départis de ta douleur, mais il ne faut pas que ta douleur, on l'inflige à toute la terre. Il ne faut pas qu'on fasse comme si, à part ta douleur, il n'y a pas une autre douleur, parce que tu avais méprisé la douleur d'une autre femme. Tu avais méprisé la souffrance d'une autre femme. Donc, c'est ça qui est là. Quand tu étais parti,
mettre le kaolin sur toi. Et puis tu étais assise là. Et puis tu étais venue pour faire une vidéo, pour clasher Tinato et tout là. C'était ton problème? C'était pas ton problème. Tu n'étais pas en clash avec elle. Est-ce que tu étais en clash avec Tina? Non. Donc c'est ce qui se poursuit. Donc c'est de là que, quand madame avait vu maintenant que le gars est sorti, elle est ressortie. Ça donnait tout ce que ça donnait. Les pleurs ici, les tantantants, et puis le clash était parti entre eux. Je veux savoir, avez-vous l'unité de mesure d'une douleur? Ce qui peut me faire mal à moi. Moi, dès lors que quelqu'un va venir, ça veut moi-même m'insulter. La preuve, pourquoi je ne réponds jamais aux petits soeurs qui m'attaquent personnellement sur les réseaux sociaux? J'ai peur qu'on insulte ma fille. J'ai peur qu'on vienne insulter ma mère. J'ai peur qu'on vienne insulter mon mari. Ces trois personnes, quand on les insulte, ça dit, le jour que je vois quelqu'un qui vient insulter ma mère sur les réseaux sociaux, mon ami, ton parent même qui est en train de mourir, je vais l'accélérer. Oui, je vais l'accélérer. Pourquoi? Parce que ces trois personnes sont des personnes significatives pour moi. Donc, quand elle était venue, et puis elle avait insulté gratuitement alors que vous aviez fait la paix. C'est ça. Pourquoi tu étais venue insulter Bob Lee dans un truc qui ne t'intéressait pas? Dans un truc où tu n'étais nullement impliqué. Tu étais venue l'insulter à la recherche des vues, à la recherche de tout. Donc, c'est dans cette recherche des vues-là que vous vous êtes accéléré. Il a dit tout ce qu'il voulait sur toi. Je suis désolé de le dire. Moi, là, quelqu'un qui va sortir de sa bouche que ta fille, on a pris un gros bois, on a mis ça dans le pétou de ta fille, on a remué le bois là-bas. Il y a quelqu'un qui dit que Asiko n'a qu'à manger ton enfant. Mais je préfère prendre la compassion pour quelqu'un qui va dire Asiko n'a qu'à manger ton enfant. C'est ça qu'il a. Parce que mon enfant, quand tu es en train de dire on a pris le gros bois, on a remué ça en bas là-bas, j'ai dit que la seule erreur de Bob Lee, oui, ça je le dis, le peuple gabonais, nous on ne cessera jamais. Bob Lee, quand je dis ces derniers moments, il n'est pas mort, mais c'est juste qu'il ne fait plus du blog. Si vous voyez que je le conjugue au passé, c'est parce qu'il ne fait plus du blog. En ce moment, il est malade, il n'est pas bien portant, il n'est pas bien, il n'est pas en un bon point. Donc, c'est pour ça que je le conjugue au passé. Mais le problème entre lui et Chanel T, c'est quoi? Quand il a commencé à faire ses vidéos sur la jeune fille, j'ai dit à Chanel T, c'est dégueulasse. Il faut que tu lui parles. C'est dégueulasse ce que je suis en train de voir. Je n'ai pas écouté, mais là, il est en train de choses. Chanel est rentré en contact. C'est ça qui a créé le petit foufou entre les deux. Chanel dit, tata, je lui parle, tu sais comment il est. Ok, donc tu laisses. Donc c'est ça qui est là. Ça dit, si je vais ouvrir cette lucarne, c'est toujours au peuple gabonais. Nous, on va aller demander pardon. Mon pardon, toujours comme j'ai dit, c'est vers le peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais, cette fille ne t'avait rien fait. Et cette fille est mineure. Tu ne peux pas imputer des problèmes qui sont arrivés à une mineure. Moi, j'ai imputé la responsabilité aux parents de la jeune fille. Je le dis jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas changer ça. Mais l'autre côté, là, c'est je vais aller chercher mes vues. Dans chercher mes vues, tu as vu que tu insultes ma mère. Tu insultes ma mère, ton bébé, Nga qui est né, je le déteste. Wow. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, des parents qui ont été déterrés. On a tout vu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux? Pourquoi, du coup, tous les blogueurs deviennent gentils? Du coup, tous les blogueurs sont bons. Du coup, ben, la preuve, on finit de faire des remarques à Bob Lee. On finit de descendre Bob Lee. On finit de faire comme si, bon, on est bien maintenant. Mais le soir, on continue les clashs. Est-ce que les sales clashs ont arrêté? Les sales clashs continuent. On continue toujours de remuer des mères. On continue de remuer des pères. Donc, qu'est-ce qui a bien changé? Qu'est-ce qui a changé? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à avoir insulté une mère, à avoir insulté des femmes, à avoir... Écoutez, s'il vous plaît, partagez le direct. C'est pas vrai. J'hallucine ou bien quoi? Je suis en train d'halluciner. Je suis en train d'halluciner ou bien quoi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? On pleure qui? On pleure pour qui? Pour qui on pleure sur les réseaux sociaux et puis on ne peut pas écouter? Et puis aujourd'hui, on va aller contre les normes d'une vie. Oui. Si lui n'a pas respecté, mais nous sommes des humains. Nous sommes des personnes qui avons encore la conscience. Parce que lui, aujourd'hui, il n'a plus la conscience. Donc, si on a la conscience, on vient maintenant pour tirer les leçons. Pour dire, bon, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Étant donné qu'il est malade. Mais depuis qu'on vient s'abattre sur quelqu'un qui est dans une position de vulnérabilité, depuis qu'on vient assommer quelqu'un qui est couché, depuis qu'on vient encore pour venir en rajouter, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas des saints. Il y a des saints sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a tout essayé. Sur les réseaux sociaux, il a décidé de faire du blog saint. Il avait décidé, il achetait le matériel, il achetait les caméras, il achetait tout ce qu'il fallait pour venir faire du blog
vaccin, mais ça n'a pas donné à Mounia. Est-ce que ça avait donné? Sur les réseaux sociaux, moi-même, je suis venue. J'ai dit, oh, je ne parle plus de temps. Je suis venue. Mais quand je faisais là, il y avait combien de personnes? Il y avait que 10 personnes sur les réseaux sociaux. J'ai laissé là-bas. J'ai dit, ah, vraiment, je vais revenir. Je suis revenue. Sur les réseaux sociaux, on a porté costume comme si on est étudiant de ISTC. Hein, avec cravate à H diverse. Parce qu'on avait dit qu'on vient faire du blocage. Ça n'a plus donné. On est revenu là où il faut. Donc, Bob Lee n'est pas le seul pécheur sur cette toile-là. On est tous des pécheurs. On a tous commis des erreurs. On a tous fait du sale sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous, on apporte notre soutien. Notre soutien-là, nous, on va apporter ça à Bob Lee jusqu'à son dernier souffle. J'entends des gens, ils viennent, quand ils viennent demander pardon, à qui il va venir demander pardon sur les réseaux sociaux? C'est à qui? Bob Lee va venir demander pardon à quelqu'un qui n'a jamais insulté une maman, à quelqu'un qui n'a jamais insulté une mère en détresse. Oui, 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 oui. Si la personne avec laquelle Bob Lee a le problème n'a jamais insulté une mère en détresse, mais nous on va dire, mais on demande pardon même à qui? Moi, il n'y avait pas ni. C'est à qui on demande pardon? À nous les déterrés de mère, à nous les déterrés de père, à ceux qui ça dit qui normalisent le viol d'enfant? Hein? Des gens qui ont normalisé, ah mon Nia, comment tu as dit que mon enfant, on a pris gros bâton, on a mis en bas de mon enfant, on a remué là-bas, on est parti, on a ouvert la tombe de ma mère, on a fait, et puis c'est pas drôle, et puis demain on rit. Ah mon Nia, mon voilà, mais qui m'a couché? Hey! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est ça. Vous attendez quoi? Qui vient demain, pardon? Je dis, ce monsieur avait du charisme, hein? Ce monsieur avait du tempérament, ce monsieur avait du répondant. Donc vos excuses que vous attendez, vous n'aurez jamais vos excuses là jusqu'à son dernier souffle, hein? Il viendra jamais vous donner d'excuses. Excuses de quoi et excuses de qui? À qui? À qui il donne des excuses? Il y a des vidéos que ce monsieur l'a fait où il n'a jamais insulté. Oui, il est venu, oui, oui, avec des mots durs. Et ces vidéos-là ont été virales sur la toile. Ça veut dire que ce monsieur a quelque chose en lui. Oui, 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 oui. À un moment donné, on a compris que certaines personnes souffraient du fait qu'ils étaient légués en arrière. Ils étaient passés en arrière. Et puis c'est lui qui était là. Il n'avait pas besoin de mettre ton nom, Amunia. S'il veut parler de toi, il ne veut pas ton nom. Lui, il place son tissement. Il va chanter sa chanson. Allumez, levez, levez, levez. Quand il a commencé là, les abonnés sont là-bas. Oui, oui, oui. Il a ses abonnés qui souffrent aujourd'hui de sa présence. Oui, oui. Il a ses abonnés aujourd'hui. Quand il regarde sur la toile, il voit que bon, oui, oui, le Satan était venu sur la terre. Satan aussi avait ses disciples qui l'aimaient. Hein. Le diable aussi avait ses accompagnateurs. Oui, oui. Nous, nous autres là, nous sommes les accompagnateurs du diable. Nous là, nous on soutient Bob Lee jusqu'à la gare. On le soutient parce qu'il n'y a pas de sien. C'est sur les réseaux sociaux ici là. On a pris à midi chaud, chaud. Je n'ai pas dit le mot. L'intimité d'une dame respectable. On a déchiqueté l'intimité de cette dame là. Après, on est venu demain, pardon, c'est passé. Qui n'a pas insulté pour venir demander pardon sur la toile ici et puis c'est passé? Pour voir une lucarne. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Bob Lee, depuis qu'il est sur les réseaux sociaux, sa santé n'est pas bonne. Depuis 3 ans, je suis sur les réseaux sociaux. Depuis les 3 ans, Bob Lee n'est pas en santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne travaille pas. Vous êtes là, va travailler, hein? Il ne travaillait pas parce qu'il avait une santé qui ne lui permettait pas de travailler. Et il avait ses aides qu'il recevait aux États-Unis. Point, je m'arrête là. Donc les appels de « Oh, on est parti faire ça à midi, chocho, oh, on est rentré ici, oh, c'est pas vous qui êtes à la base de sa maladie. » Lui-même, il avait déjà ses ennuis de santé depuis longtemps. Depuis quand il a quitté le Texas, et puis il avait essayé de se mettre à New York, dans le New Jersey, à compter de là déjà sa santé n'était pas bonne. C'est là, il est resté sur les aides de quelqu'un qui n'a pas une santé qui lui permettait de travailler. Donc, vous n'êtes pas à la base et vous ne serez jamais à la base de sa maladie parce que vous-même, vous n'êtes pas si. J'ai détaillé comment toi aussi tu as remué sur la toile. Comment tu continues de remuer? Donc, toi, tu continues de remuer. Tu continues d'insulter. Tu continues de déterrer des mains. Tu continues de remuer les mains des gens. Et puis pour toi, on va venir dire que il a fait la seule. La seule souffrance, comme je dis, c'est celle du peuple gabonais que nous, on prend sur nous. Hmm? Peuple gabonais, nous, on prend cette souffrance. À part ça, le reste, là, c'est maïs. Hein? C'est maïs des réseaux sociaux. C'est maïs des Ivoiriens. C'est maïs de ce qu'on s'est donné. La preuve, quand on vient donner le bon, ça n'a jamais rien donné. Donc, mes chers impactés, mes chers frères africains,
Les abonnés de Bob Lee, on reste toujours en union de prière. Si vous entendez que demain Bob Lee n'est plus là, c'est Dieu qui l'aura voulu. C'est Dieu qui aura pris son souffle. C'est Dieu qui aura déterminé quand il veut. C'est quelqu'un, ça dit, je dis que souciez-vous de vos vies. Parce que lui, il a déjà sécurisé pour ses enfants. Demain, si Bob Lee n'est plus là, ce soir, il va manquer à ses enfants de passer à présent parce que c'est un père très avenant. C'est quelqu'un qui prenait soin de ses enfants. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis à la personne, protège-le. Fais une carapace. Les gens vont dire non, on vient le voir. La preuve, il n'a aucune photo qui a fuité. Protège seulement. Même s'il veut, ça dit, si c'est arrivé, c'est arrivé. Lui, au moins, il a sécurisé pour Maël et puis tant. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il dit pourquoi il ne voulait pas prendre le mortgage. Il ne voulait pas prendre la maison, compte de sa santé. Et puis, il préférait mettre ça au profit de ses enfants. Voilà. Donc, si Bob Lee n'est plus là demain, là, c'est comme un grain de sel. Ça dit, c'est comme quelque chose qui est quitté. C'est tout. La vie continue. C'est Dieu qui aura voulu. C'est sa santé qui lui. Ça dit, c'est sa santé qui l'a conduit là où il est. Voilà. Lui-même, il connaissait ses habitudes de vie. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Souffrez du fait que quand vous allez venir pour le descendre, nous, on va être là pour le remonter. C'est ça. Souffrez du fait que vous venez pour le diaboliser. Nous, on va venir toujours pour venir. Dis sur la toile ici, c'est pas tout le monde qui. Ça dit. C'est pas, on n'est pas que des signes. Sur la toile ici, on n'est que des pécheurs. On a fait le mauvais. On a fait du sale. J'ai dit, parce qu'aujourd'hui, tu dis non, je ne fais plus ça. Tu as venu, ça dit, tu as venu enterrer quelqu'un sous prétexte que non, il a lui aussi, il faisait du mauvais. Il faisait du mauvais. Qui faisait du bien? Le bien n'a jamais donné sur la toile. Le mauvais, c'est ce qui a toujours pris le dessus dans le bloc ivoirien. Donc, que chacun assume ses actes. Merci à tous ceux qui apportent le soutien à Bob Lee. Hein? Il est vivant. On n'a jamais dit quelque part qu'il est mort. Il est vivant. Il respire tout et tout. C'est juste que sa condition est très, très, très précaire. On n'a qu'à se dire les choses. Mais on prie. Donc, les abonnés de Bob Lee, force à vous. Hein? Force à vous. Bien qu'on le diabolise, nous, on est en arrière. On est là pour dire que, pour rappeler les faits. C'est ça qui est là. Donc, sur ce, prenez soin de vous. J'ai fini mon blog. Il m'a fait mes petites courses. Je vais me mettre dans ma piscine. Ils annoncent 30 degrés à Montréal. Merci et bye.